Yeah, that's better. You can get it. Marvelous. Bonjour à toutes et à tous, c'est les Ribos et on se retrouve pour Conquer Bad Fur Day. Et oui, la série que moi j'attendais vraiment de la faire, parce que ce jeu il a l'air vraiment énorme. Donc ça va être la minute discussion autour du jeu. Ce jeu a été développé par Rare et Nintendo, donc il est sorti sur Nintendo 64 en fin de vie de la console. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un jeu assez particulier. Il relate les aventures de Conker, un écureuil dans une plaine avec plein de petits animaux tout mignons, tout magiques, et gouverné par un tyran, la Panthère Noire, et non pas la Panthère Rose, encore heureux. Donc voilà, on va lancer de suite le jeu. Mais attention, ce jeu, il sera intégralement en anglais. Je vais essayer quand même de traduire un minimum, enfin dans le sens où dire ce qui s'est passé peut-être des fois, mais c'est pas pour les anglophobes. C'est juste ce que j'ai à dire. Enfin voilà, j'espère que vous apprécierez, et c'est parti! Et bien sûr, il y a plein de clichés dans le jeu, parce que ce jeu... Enfin, de clichés... De clins d'œil, devrais-je dire. Mais bon, je vais me taire pendant les cinématiques, parce qu'elles sont vraiment... épiques. Par exemple, cette scène... Elle est tirée de... du film Orange Mécanique. Merci Wikipédia. Conker and Berry. Ah, c'est Conker! Il est trop badass! Surtout avec un verre de lait et une couronne sur la tête. Par contre, ouais, vu que c'est sur émulateur, les textures sont un peu baveuses. Notamment au niveau des yeux, là on voit que c'est un peu dégueulasse. C'est ça, Conker. Bois ton lait. Ton magnifique lait. Voilà, les textures se remettent bien quand on va de plus loin. Mais je me tais maintenant. Well, there I am. Conker the King. King of all the land. Who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say? And who are those strange fellows that surround my throne? I hear you also say. Well, it's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. What a day that was. It's what I call a bad fur day. Ça, c'est ce que j'appelle une intro. Ha ha. J'ai hâte d'y jouer. Faut savoir que j'ai quand même fait les... Allez... 15 ans en première minute pour savoir si tout marchait. Enfin voilà. I'm gonna be a bit late. Well, met up with a couple of the guys and they're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway, I'll see ya. Love you. I think you got it. Conker, put the phone down. Oh, right. Whose round is it? Yours. What, again? Okay. Eh oui. Can someone lend me a fiver? Voici un écureuil
ivrogne. Toujours au bar. I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime next week. Derrière. I gotta go home. The Weasel. Oh, no, that's the toilet. The Weasels. No, this way. Okay. Yeah, that's better. Beatles. The Cock and Plucker. C'est con. Putain. Oh, en plus elle est bien jaune celle-là. Désolé. Sorry about that, old chap. Gotta go. Ouais, va mieux. Quel début mystérieux. Can't quite make it out. Anyway, seems pretty familiar to me. Come on, make it quicker. Scrapper. Let's be quiet. Le château des méchants. Il a été commandé sur le même site que celui de Bowser et de Ganon, et aussi de Soru. Tu sais, t'as l'impression qu'ils proviennent tous du même mec qui les fabrique. C'était Rinaldo Gandolfi. Oh, milk. Sire. Ah, on est dans la merde. Oh, tu sens pas très bien, toi. Le lendemain matin, nous retrouvons ton cœur avec une gueule de bois. It's gonna be one of those days. Et c'est parti, on commence l'aventure Conquer Bad Fur Day avec un écureuil complètement sous. Et oui, c'est ça le jeu vidéo. Non, je déconne, ça va être épique. Je me sens pas très très bien. Non, tu déconnes. Ah oui, vraiment, pas beaucoup. I don't feel so good. Je me sens pas super bien, à vrai dire. Perfect. Je me suis pris une de ces cuites ce soir. Il a fait un bad trip. Ça, il retrouve son matelas 10 km. Et il se retrouve avec un slip sur la tête. Non, quand même pas. Ah, salut. Oh, il a pas l'air super bien lui non plus. Oh, hello. Can you help me? I need to get home and go to bed because I don't feel very well at all. Non, ça se voit à peine. Oh, no. Mais quel connard. No. Tu peux pas me ramener chez moi, je sais pas. Actually, yes, I can. Maybe. Okay. What's your name? Billy. Beardy? You haven't got a beard. No. Birdy. Oscar Birdies. Okay, Birdy. Can you help me? Right. Let's step over here. Okay.
je vais me step over here. Alors. Oh oh oh, le bâtard. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais. And well actually they press B. Le mec qui a aucune explication. Oh yeah. The light comes on. And it makes this noise ting. Where's that ting noise? Best ting. Ting noise. No, ting. That's it. Ting. That's it. Ting. Yeah. Okay, I'll press B. Ça a pas l'air super en forme quand même, ça c'est sûr. Oh. Hello, I found you. So, what does that mean? It means contact sensitive. It's sensitive to contacts. Try over there. Okay. Ouais. Well, you could try it again. J'ai bien envie de réessayer quand même. Ah, de l'hélium. Tiens, encore une, vache. Avec ça dans ses poches, lui. Je m'en fous si je le fais. I'm gonna go to bed now. Salut. Moi, je vais me prendre une cuite. Ah ouais, une deuxième. Oh yes, c'était de l'aspirine. Oh, just what I needed. In fact, it would seem to me that these give me just what I need at that moment in time. Hmm. Oh, I see what he means. Context sensitive. Clever. Oh, and I feel a lot better. Mais oui, bien sûr. Right, let's get out of here. Sensible au contexte. Oh, and by the way, if for whatever reason you want to skip all these wonderful cutscenes, then just press the L button. But you will have to have watched them at least once. Ok. Ah ouais, du coup maintenant je cours super vite. Je peux plonger, je peux frapper. Enfin, frapper, oui, je pouvais toujours. Ok. Ouais, je peux frapper les gens. Oh, I can't seem to get any further. I'm sure there was something. Ah oui, mince, excusez-moi. Ah, yes, now I remember. Hold the Z button down, and I should crap. Ok. Now then, what was it? Oh yeah, press A to jump extra high. Excusez-moi, j'ai eu un plantage. Funny helicopter tail thing. Now that makes me hover. Hmm. I should easily get across that gap. Mm-hmm. Are you sure you got that? Oh, ce sera bon. Du coup, ils ont plagié Rayman. Je sais même pas si le 2 était sorti à l'époque. Si, sûrement. Ah, c'est joli. Frapper les gens. Les voler. Et il peut se baisser, je sais plus avec quel... Ah non, c'est pas celle-là. Ah, je sais plus. Ça, c'est pour tourner la caméra. Voilà, c'est comme ça. Donc, continuons cette aventure. Ah, un gros pavot. Ah, who's this guy? If you think you're coming this way, you can think again. Mais pourquoi? Oh, you're a real charmer. I just want to get past, please. No, I don't think so. I've only just got comfy. Have you ever sat on a piece of Gothic architecture for 200 years? Gets right up your ass, you know. Thought it was about time to move on to a bridge, say. And I'm not moving now. Isn't it a little bit early in the day to start talking about Gothic architecture? Well, if you care to come a bit closer, we can discuss things of another nature. Ouais, je te défonce. Non, je déconne. Alors, là, il y a un levier.
Ok. Ça a ouvert une porte. On va pouvoir y aller. Ah. Ah, c'est clair qu'il est bien beau comme jeu. Et en même temps, s'il est sorti en fin de vie de Nintendo 64, c'est le jeu qui a hérité des meilleures qualités graphiques quasiment. Alors. Ah. Salut. Hang on. Ok. Something missing here. Didn't I have a. Ah. Ah. Try pressing B and see what that does. Ok. Donc. Are you sure you've got that? Ouais. T'inquiète, Conker. Ouh, comment je t'ai mis ça, sévère, tu sais. TMTC. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, et je pense qu'il faut que je revienne là-haut. J'essaye de frapper la gargouille avec ma poêle. Ça me paraît pas très logique, mais... comme c'est ce qu'il faut faire. A frying pan. You stupid little... Salut! Game over. Oh non! Il y a tout qui s'est éboulé. Bon. Je pense aller par là. Du coup, appuyez sur B une nouvelle fois. Piston avec de la dynamite. Moi aussi, je pense savoir ce qui va se passer. Let's go and get some shut-eye. Finally. Ouais. On va un peu de repos. Ça, c'est clair. Mais c'est ici qu'on va arrêter l'épisode 1. L'introduction à Conker's Bad Fur Day. C'était les Ribos. J'espère que vous aurez aimé. Et à la prochaine.